19, nous commençons à partir du 29e verset. Nous allons nous arrêter au 39e verset. Est-ce que nous pouvons nous lire pour recevoir la parole de ce matin qui est la prophétie par excellence? Luc, chapitre 19, nous lisons du 22e au 39e verset au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Quand ils détachaient l'anon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: maître, réponds tes disciples. Parole du Seigneur. On acclame le roi de roi. À Capernaum nous dit, et il répondit: je vous dis, si c'était Pierre, crièrent. Pour terminer cet endroit, cette phrase, ce chapitre. Amen. Notre étude, cette étude, il y a des grandes choses qui t'attendent. Je croyais que tu allais dire la même chose. Accident. Non, lorsque tu dis, il y a des grandes choses qui t'attendent. Amen. Parce que c'est l'homme de Dieu qui le dit. La Bible dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Mais lorsqu'il annonce quelque chose, il dit, Seigneur, c'est pour toi. Ce n'est pas pour celui qui est à l'extérieur, mais c'est pour toi qui es dans la salle. Amen. 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 Je voulais te dire encore, il y a des bonnes choses, des grandes choses qui t'attendent. Amen. Bien là, là-dessus, on nous parle de l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Jésus devait entrer en Jérusalem. Après la résurrection de Lazare, on les cherchait. La Bible dit Jésus, avec ses disciples, ils se sont dit, non, nous devons entrer cette fois-ci en Jérusalem. Les disciples dit, Seigneur, tu peux parler, parce que là, on vous cherche. On cherche à vous tuer. Comment vous allez partir? On dit que non, je suis obligé d'aller, parce que mon temps est là, il faut que je parte. Amen. La Bible dit, pendant qu'il descendait, il venait pour aller à Jérusalem, il est arrivé à un endroit. Il s'est arrêté. C'est-à-dire, vous savez, Jésus-Christ ne marchait pas seul. Il était en cortège avec les 12 disciples, y compris d'autres disciples qui venaient avec lui. La Bible dit, pendant qu'il allait, pendant qu'il s'arrêtait, il a pris la parole et il a dit. Il a dit à deux de ses disciples, il dit, allez dans les villages voisins. Et là, vous trouverez un anon. Amen. C'est l'enfant de là. Un anon. Mais cet anon n'est pas libre. Mais c'est un anon qui est attaché. Et que vous allez dire, détachez-moi l'anon et amenez-moi l'anon. Lorsque vous allez commencer à détacher l'anneau, le maître de l'anneau
va vous poser la question, pourquoi détachez-vous là donc? Et vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Ils sont allés, ils sont arrivés, ils commencent à détacher la main. Pendant qu'ils détachaient la main, le propriétaire de la main s'est élevé. Vous dire, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi détacher la main? Il dit, le Seigneur en a besoin. À l'instant même, ils se sont dit. Alléluia. Ils ont pris la main. Ils ont amené la main au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Les tombeurs, Jésus s'est arrêté pour attendre les deux disciples qui étaient partis détacher la main. Ils ont détaché la main, ils sont venus. Finalement, ils ont présenté la main auprès de Jésus. Lorsque Jésus a vu la main, la Bible dit qu'il est monté sur la main. Il a commencé, il a continué maintenant sa marche vers Jérusalem. Et pendant qu'il marchait, les gens de la ville, tout le monde a entendu parler de Jésus. La nouvelle est arrivée, voir même à Jérusalem. Vous savez, sur le montagne d'Olivier, il y a les cortèges de Jésus-Christ s'est arrêté là-bas. Jésus se trouve là-bas et les gens venaient en masse pour voir Jésus qui faisait le miracle. Alléluia. Mais Jésus ne pouvait pas descendre, aller à pied. Il dit non, il faut que je monte sur un âne. Et pendant qu'il est monté sur l'âne, les femmes, les hommes ont étalé des barres sur les rameaux, sur les chemins qui devaient passer. Et l'agneau commençait à marcher sur ces pattes que les femmes ont étalées. Et les disciples commençaient à chanter, « Hosanna, oh, fils de David. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hosanna, oh, fils de David. » Ils acclamaient. Et les quelques disciples pharisiens qui étaient là, ils se sont opposés pour dire, mais pourquoi tes disciples chantent? Qui es-tu pour qu'on puisse t'acclamer comme ça? Ils ne savaient pas que Jésus était le roi des rois. Il devait entrer en triomphe. Et finalement, Jésus les a répondu à Tara, même si c'était les pierres vont acclamer. Parce que c'est Dieu qui a créé les pierres. Amen. Nous allons suivre maintenant la révélation de cette parole. Bien aimé, Jésus devait entrer en Jérusalem. Nous savons que Jésus, c'est la source de notre bénédiction. Jésus, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Parce que la Bible dit qu'il a abandonné sa divinité, il a accepté de venir ici sur terre, de se revêtir, de prendre la chair, le corps d'un homme, pour qu'il puisse racheter l'homme que nous sommes. Et tant que Dieu, il ne devait pas rester éternellement sur la terre, il devait retourner. Alléluia. Il devait retourner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Jésus, c'est le Fils. Jésus, c'est Dieu. Bien-aimé. À un moment donné, Philippe, il était fatigué. Il dit que non, montre-nous le Père. Parce que tu parles toujours des Pères. Montre-nous le Père. Cela suffit. Jésus l'a dit. Philippe, depuis longtemps, tu ne connais pas encore le Père. Alléluia. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Les autres après, nous prions Jésus. Nous prions au nom de Jésus-Christ. C'est lui la parole. C'est lui qui est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est lui le Seigneur. Depuis l'Ancien Testament, il était là. Vous allez voir, à un moment donné, il apparaît comme un ange. Après, on l'appelle l'Éternel. C'est lui. C'est lui qui parle. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, il sait. Il a pris les corps. Afin que l'homme puisse s'approcher de lui. Amen. Il s'est arrêté. Pendant qu'il s'était arrêté, il a dit à ses disciples, écoutez, allez là-bas, dans ce village voisin. Détachez-vous là-bas. Bien aimé, ce matin, je vais te dire, l'anneau pourrait se trouver toi.
pas qui est dans ce livre. Parce que l'agneau n'était pas libre. L'agneau était attaché. L'agneau était attaché pour une raison quelconque. Alléluia. Mais le propriétaire de l'agneau, lui, il ne savait pas. Peut-être qu'il pouvait avoir ses raisons. Mais Dieu seul connaissait les raisons pour lesquelles l'agneau était attaché. Bien, je vais te dire une chose. L'agneau, aujourd'hui, pourrait être toi. Attaché. Et souvent, je dis ceci. L'attachement peut être dans deux aspects. L'attachement selon la volonté de Dieu, ainsi que l'attachement non selon la volonté de Dieu. Il y a des saints qui sont attachés non selon la volonté de Dieu. Ça, c'est le diable qui est à la base de cela. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu tournes sur le même endroit. Tu tournes. Papa, tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, l'attachement, non selon la volonté de Dieu. Mais je vous dis, lorsque le diable t'attache, pendant que tu vas intercéder et crier, Jésus, lui Jésus donne l'ordre à ses anges de descendre pour te libérer. Parce qu'il est Dieu. Nous sommes là que je vous ai dit ce matin, si tu es attaché, non selon la volonté de Dieu, Jésus-Christ est libre maintenant d'aller au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Prospère au nom de Jésus. Fais des grandes choses au nom de Jésus. Non, un enfant de Dieu n'est pas lié. Je causais avant hier avec mon petit frère qui est dans la vie. C'est un juriste. Un avocat. Il y a eu des problèmes dans le village, ça va. Ils ont laissé partir, c'est votre grand-mère était morte, ils sont allés au village, comme ils ont la petite allée, et là, ils sont retournés. Il a dit, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes au sein des familles. Nous sommes bloqués. Ça, c'est le petit frère de Dieu. On est bloqués. On dit, mais qui est-ce qu'il dit? Il dit, on est bloqués. On dit, mais si vous êtes bloqués, moi, je ne suis pas bloqué. Un enfant de Dieu n'est pas bloqué. Bien que je serai combattu, mais pas bloqué, pas lié. Si un enfant de Dieu est lié, lorsque je dis, mais on constate que tu es lié, il faut commencer à t'examiner. Pourquoi je suis lié? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Cherchez la délivrance, parce que la délivrance est un processus. Chercher la délivrance, on ne viendra pas te chercher là-bas. La délivrance, ce n'est pas que lorsqu'on aura croisé, tu tombes. Non, la délivrance, bien aimé, il faut les chercher. Pendant qu'on dit qu'il y a un trait, va. Cherche la face de Dieu. Et cherchez l'homme de Dieu pour se prier pour toi. C'est ça. Celui qui est malade, c'est lui qui cherche le médecin. N'est-ce pas cela? Lorsque tu constates que ta vie ne marche pas, mon frère, ma sœur, non, il faut se réveiller. Tu ne peux pas tourner sur le même endroit. Tu dois te lever pour dire non. Pourquoi ma vie ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un enfant de Dieu. Je dois progresser. La Bible dit que mon serviteur s'élèvera. Ce n'est pas que tu vas te rabaisser chaque fois. Non. Non, mon frère. Il faut se révolter d'autres fois dans la vie. Il faut refuser des choses. Je dis à mon frère, mon petit frère, écoutez petit, si toi, si vous êtes bloqué, vous êtes retenu là-bas, lié, mais moi je ne suis pas lié. Moi je suis enfant de Dieu, je ne suis pas lié. Et je ne serai pas aussi lié. Il dit non, viens, vous comprenez, il y a des boulots, moi combien de fois, j'ai terminé depuis le 2005, j'ai introduit les dossiers, mais il n'y a pas de boulot, toujours de chez Kinshasa, vous voyez tout ça. Moi je dis petit, ça c'est toi. Et moi, je suis à Rissi, je suis à Chenel. Je suis en France, j'ai des documents, j'ai dit ma femme vient, elle est là. Elle me dit, j'ai sa place. Oh non, si ça marche, je dois vous laisser passer. Mais voilà. Arrange tes propos. Si vous vous êtes lié, aimé, refusez. N'acceptez pas. Toi, tu es celui qui est mis à. Tu es mis à part. Tu n'es pas celui qui doit être lié. Tu peux être combattu, mais pas lié.
Alléluia. Et ça pour laquelle, bien-aimé, ce matin, je vais te dire encore, tu es libre au nom de Jésus. Amen. Si le diable est attaché, je te dis, tu es libre au nom de Jésus. Amen. Je vais parler pour une personne qui est aussi attachée. Peut-être que tu pourrais te trouver dans cet âme. Attaché selon la volonté de Dieu. Alléluia. Vous devez savoir, Dieu aussi permet que nous soyons liés à un moment donné. Mais lorsque Dieu permet que tu sois lié pour une cause, pour une cause, il ne peut pas te laisser comme ça lié, c'est-à-dire pour un objectif. Il a voulu que tu sois lié puisqu'il connaît. Alléluia. Les hommes d'amis, je voulais te dire, c'est ta mort, c'est ma tête, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur qui est attachée selon la volonté de Dieu. L'anneau était attaché. Mais tu peux être attaché. Oui. Mais pour une raison. Et pour une raison. Et Dieu seul connaît ses raisons. Il y a des fois, rien ne marche. Mais tu pries, rien ne marche aussi. Tu peux te poser des questions pour dire non, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est parce que ce Dieu ne m'entend pas? Mais pourquoi ma vie est ainsi? Les uns bénis, mais moi je ne suis pas béni. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vais te dire, si tu marches, tu crains Dieu, tu pries, on prie aussi pour toi. Tu intercèdes, tu rentres dans les jeunes, tout ça, tu te lèves, bien aimé, tu sors. Il y a un échange. Sois calme. Je te dis, tu es réservé par Jésus-Christ. Réservé pour des grandes choses. Dieu connaît ta situation. Ne pleure pas. Dieu lui-même connaît. Il connaît le moment où il va vous faillir. Laissez-moi te dire, bien aimé. Dieu, lorsqu'il donne l'ordre, personne ne peut être opposé à cet ordre. Car il a donné l'ordre. Oh mon frère, je voulais te dire ce matin, Jésus-Christ se trouve où? Jésus-Christ se trouve sur le montagne d'Olivier. Il fait descendre. Pendant qu'il fait descendre, bien aimé, il s'est arrêté. Il a dit, il a dit à ses deux disciples, descendez, allez là-bas, descendez dans l'église, la puissance du nom de Jésus. Là-bas, il y a mes enfants, ils sont là. Je les ai réservés pour des grandes choses. Détachez-les, car moi Dieu, j'ai besoin d'eux. Détachez-les. Mais lorsque le prophète dira, pourquoi les détachez-les? Mais vous allez lui dire, le Seigneur en a. Oh mon frère, si Dieu donne l'ordre de te libérer, personne ne pourrait s'opposer, car il est Dieu, il restera Dieu. Ton ordre ne peut pas s'opposer. Moi, parce que je ne peux pas s'opposer. Personne ne peut s'opposer, car Jésus reste le même. Lorsqu'il donne l'ordre, ses anges descendent avec le pied. Ce matin, Jésus-Christ a déjà donné l'ordre. L'église la puissance, Jésus-Christ a déjà donné l'ordre. Jésus-Christ a déjà donné l'ordre de te libérer, de te libérer, que tu sois libre, que tu sois libre. Et là, ils sont descendus. Pendant qu'ils venaient, ils commençaient à détacher. Les prophètes ont dit, ah, mais non, toi, pourquoi? Mais comme de façon, personne ne peut lui s'opposer. Français, non, il mérite. Alléluia.
dois prendre, c'est pas la promotion, il faut que je cherche la solidarité. Non, bien-aimé, Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde comme tu es là. Dieu regarde comme tu es t'a créé. Dieu regarde ta position. C'est ça la position de Dieu. Dieu ne va pas regarder, bien-aimé, pour ce que nous avons, tous nos titres. Non, non. Même tu parles un français, t'es nous. Bien-aimé, ce n'est pas un problème. Le problème de Dieu, que tu sois là. Alléluia. Et finalement, je n'ai pas pris la décision d'aller penser. J'ai dit non, il mérite. Et finalement, bien aimé, le frère était élevé. Il a eu la promotion. Il a dit le Seigneur était de mon côté. Je t'ai dit le Seigneur aussi est de ton côté. Ce matin, le Seigneur est de ton côté. Rien, bien aimé, ne peut débraler. Rien ne peut te faire trembler. Mais pas peur, le Seigneur est de ton côté. Il connaît ta situation. Je ne sais pas quelle sorte de fil qu'on a lié cet anneau, quelle sorte de corde qu'on a lié cet anneau. Je vais parler maintenant de l'attachement. Pendant ces temps-là, le temps d'attachement, c'est un temps pénible, c'est un temps de souffrance. Tu peux t'attacher, tu cherches à aller, tu cherches. On dit, Alina, ta valeur en assigna. Toi aussi, mange la boulaya sina. C'est-à-dire là où tu te forces, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas forcer. Lorsque tu forces, tu brilles. Tu es un enfant de Dieu, il faut demander à Dieu. Avant de faire tout, il faut demander la volonté de Dieu. N'allez pas si vite, mon frère. Amen. Tu peux être attaché. Mais pendant que tu es attaché, tu cherches à tout faire. Non, je veux m'en sortir. Parce que le monde, c'est quoi? Lorsque nous regardons le monde, lorsque nous regardons nos frères, ils sont bénis. Tout le monde progresse et prospère. Non, en fait, tu vas commencer à boucher les uns les uns. Les uns en Afrique, comme maintenant, ils vont descendre bientôt pour aller acheter des parcelles. Ils ont réussi l'argent, les verres, ils tournent. Oui, mais toi, tu n'as pas eu de discipline, tu cherches jusqu'aujourd'hui les documents. Toi, tu cherches jusqu'aujourd'hui l'argent. Mais bien aimé, laissez-moi te dire, ça c'est eux. Toi aussi, tu as réservé des choses pour moi. Il y a un ami qui me dit, il y a déjà ça. On se promène avec lui. Il me dit, ah, mon cher, il n'y a plus de place. Même les places qui étaient vides, là, tout a acheté. Mais nous, où est-ce que nous avons acheté? Nous n'avons plus de place parce qu'il n'y a plus rien. Moi, j'ai écouté mon frère. Moi, il y a une place que le Seigneur a réservé pour moi. J'adorerai, car Dieu me connaît, j'adorerai. Alléluia. Amen, bien-aimé. Ils achètent des hectares, n'aie pas peur. Ils achètent des parcelles, n'aie pas peur. Qu'ils commencent à construire, n'aie pas peur. Les choses sont construites. Hein? Mais nous aussi, nous aurons notre temps. C'est mon fils que j'aime beaucoup. Ça, c'est mon fils. Dégoûtez.